Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lolo Boyard, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la salle du trésor, et aujourd'hui, ah bah, il faudra construire le reste, donc c'est-à-dire le puits, le damier, et enfin la grille, qu'on va le faire ensemble. On va déjà commencer par le puits, hein, on va y aller. Il faudrait que vous ayez des dalles en grès, de la grès, des escaliers en grès, des arions de barse, des briques, des escaliers en briques, des dalles en briques, hein, des dispensers, de la redstone, et enfin des repeaters. Voilà, ça fait beaucoup, je sais. C'est pas ma faute si c'est comme ça, normalement un puits. Bien, on va commencer. Alors vous allez voir que le puits ça va être simple à construire puisque c'est juste un cercle. Déjà on va prendre le centre, bon, ici, donc c'est un nombre pair. Moi je vais le prendre ici et vous allez compter 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et au 8e on va le poser. Voilà, donc on va mettre les deux. Et donc on va faire une ligne de 6. Voilà, bien sûr, centré. Et donc là, pour faire un cercle, on va faire 2, 1, 2 et 6 blocs. Voilà, c'est tout simple. C'est juste un cercle comme ça. Donc pour l'instant, ça va, mais après, ça va être compliqué. Donc 1, 2, une ligne de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Non, pas comme ceci. Hop, là, on va faire 2, 1, 2. Et voilà la torche qui nous gêne. Et 6. Voilà. Et là, on va faire 2, 1 et 2. C'est parfait. Ça rentre super. Donc, déjà, voilà, ça c'est fait. On va ensuite, vous allez ensuite poser les blocs de raie. Donc, on va continuer le cercle. Donc, on va faire une ligne de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déjà faire ça. 1, 2, 3, 4. Parce que pour refaire l'arrondi c'est pas la même chose, vous allez ouvrir, non, après en fait vous allez faire en sorte d'un M, vous allez voir, ah, c'est ici, voilà. Allez, on est reparti, voilà, et voilà. Donc ici maintenant on va faire un sorte de M, donc on va faire une diagonale de 3, hein, vers l'intérieur, hein, je parle de l'intérieur, donc une diagonale de 3. Donc on va faire ça la même chose. Des trois autres angles. Donc vous faites comme si vous faites un M. Ou un 3, comme vous voulez. Ou un E. Voilà. Non, je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, déjà, retenez ça. Je vais commencer à remplir. Puisque comme ça, au moins, ça sera fait. Hop. Et puis après, on va reprendre les dalles. Hop, voilà. Et voilà, donc ça va être un petit peu long, hein, je l'avoue. Donc on va faire une petite ellipse. En plus le jeu qui commence à bugger un petit peu. Donc à tout de suite. Voilà, bon. Ça c'est fait, maintenant vous allez reprendre les dalles. Non, les dalles. Voilà, et donc là on va continuer le cercle. Donc c'est toujours une ligne de 6. Puis là ça sera une diagonale de 2. Ensuite une ligne de 6. Voilà, une diagonale de 2. Voilà, et on a compris. Hop. Voilà. Et enfin, une diagonale de 2. Parfait. Maintenant, on va remplir avec, pardon, excusez-moi, avec de la grès. Ouh, la vache. On va continuer à remplir avec la grès, donc on va tout remplir. Et suite à ça, on va rajouter un autre bloc. On va rajouter une hauteur supplémentaire. Voilà, on va voilà, essayer de fermer ça tranquillement, sans énervement. Voilà, parfait. Et voilà. Donc là, on va monter d'un bloc. Voilà, bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Et donc là, ça sera 6. 6. Voilà. Attention. 6
et 6. Voilà. C'est comme si vous faites un carré de 8 sur 8, sauf que vous cassez les angles. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir remplir. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre, parce que ça ressemble pas du tout au vrai puits. Voilà, c'est mon puits, et puis... oh là là. Ah non, on s'en fout. Et puis, s'il faut changer, bah, je changerai, hein, et puis tant pis. Voilà. Allez, hop, on va finir. Et voilà, parfait. Donc on va voir un petit peu... Ouh là là, le vilain bug. Donc voilà, on dirait une sorte de volcan. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pas déjà faire les grilles. On va placer les escaliers. Donc les escaliers dans chaque côté, sauf... vous allez déjà rajouter une ligne de 2 blocs, voilà. Et ensuite ici, on va descendre avec les escaliers. Voilà, comme ceci. Hop. Et ici, bien sûr, casser. Si j'y arrive, voilà. Hop, parfait. Donc là, on va remplir avec... Voilà, les dalles. Et donc voilà, ça va ressembler à ceci. Pour monter, récupérer le trésor, voilà, vous avez compris. Donc là, on va faire la même chose. Hop, on a rajouté une ligne. On va rajouter, hop, des escaliers. 1, 2 et 3. On va y arriver. Non, ah mince. Ok, c'est bon. Hop, voilà, 3. Et on va finir avec le côté gauche. 1, 2, voilà, comme ça au moins vous pouvez voir ce que ça donne dans l'autre sens. Voilà, hop, 3, et là je suis obligé de rajouter une ligne de 2 blocs. Voilà, ça c'est fait. Ça commence à ressembler à un puits. Voilà, et donc maintenant on va faire l'espèce d'arche. Donc vous allez garder la ligne de dalle, et à partir d'ici vous allez faire une profondeur de 3 et une largeur de 4 blocs. Donc, là on a déjà 1, 2, 3 et 4. Parfait. Voilà, donc ça fait un petit tour. On dirait vraiment une caverne, mais on va faire déjà. Vous allez placer des blocs de grès. Voilà, on va faire 2 de hauteur. Voilà. Alors, ah oui, non, vous allez, voilà, vous allez faire ça et rajouter des escaliers comme ceci. Donc les escaliers vers l'extérieur. Là. Et donc, ça ressemble bien. Donc maintenant, on va faire, vous allez positionner les escaliers comme ceci. Et enfin, pour terminer, on va boucher avec les blocs de grès. Voilà. Comme 50 nuances de grès et rajoutant des dalles. Ah bah voilà. Ça ressemble au moins à un truc. Et ici, alors, on va prendre les Arium Bars. Voilà. Et j'ai pas de blocs de béton noir. Faut faire genre que c'est profond. Genre qu'on voit rien. Donc bon, j'ai rien, mais je vais mettre, voilà, des planches de chêne noir. Voilà, je vais remplacer bien sûr ça en off, voilà. Et on va boucher ceci. Voilà, parfait. Ça commence à devenir sympa. Et ici vous allez pouvoir mettre un coffre, un double coffre ou deux coffres, simple, comme vous voulez. Alors maintenant on va positionner les grilles. Donc vous allez faire le contour. Donc ça sera 6, 1, 6. Oui, voilà. Hop, 6, 6. Hop, voilà. On va continuer 6. Oh là là. Oh, les vilains bugs. 6. Voilà. Et donc, après ça, vous allez monter 5 de plus pour faire une hauteur de 6. 1, 2. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on va faire tout le tour en montant jusqu'à 6 blocs. Voilà. On va faire 3 par 3. Comme ça, au moins, ça va aller un petit peu plus vite.
Alors, je vous reprends en off le temps que je monte ceci. Je vais faire une autre vidéo où je vous ferai le nouveau puits que j'ai pu construire, qui est beaucoup plus réaliste. Vous pouvez bien sûr le mettre sur votre... Voilà. Et on a bientôt fini. On va y arriver. Allez. Et voilà, parfait. Bon bah c'était cool hein. C'était cool. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons du coup prendre les blocs de briques et les escaliers de briques et des dalles qu'on va bien sûr les faire plus tard ou pas besoin, comme vous voulez. Mais le plus important c'est d'avoir des blocs de briques. Ah où ils sont? Ah voilà, ils sont là. Ok, parfait. Donc on va mettre juste la table de craft ici au cas où on a besoin. Tac, voilà. Et donc on va faire déjà des escaliers. On va en faire pas mal. Enfin pas trop non plus. Voilà, je pense que 40 c'est suffisant. Je vais m'en faire. Je vais me faire des dalles. Voilà, 6 c'est parfait. Oui, c'est bon. Donc maintenant. Au-dessus des barrières, vous allez mettre des blocs de briques et vous allez bien sûr remplir le sol pour poser le système de redstone. Voilà. Donc c'est un gros puits. Comme ça, au moins, vous pouvez bien sûr contourner le puits pour récupérer. Des boyas où vous pouvez même faire vous pouvez mettre plusieurs dispensers et pourquoi pas mettre plus de boyards. C'est comme vous voulez. Voilà, et là on va pouvoir remplir tranquillement. Voilà. Là, alors ça, pas question. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Et donc, après ceci, on va mettre du coup les escaliers. Donc, on va faire le contour en escalier. En fait, vous allez monter avec les escaliers. Et au moment où il y aura 4 sur 4, vous allez mettre soit des dalles, soit des blocs. C'est comme vous voulez. Pour boucher le puits. Voilà. Allez, hop. C'est parfait. Alors, attends, il faut que je recule, voilà. Et on va finir. Voilà. Et donc là, on va pouvoir raccorder tout ça. Et voilà, ça marche pas souvent. Je sais pas pourquoi ça marche pas souvent. Voilà, je veux ça. Donc, voilà, déjà là, vous pouvez voir qu'on a largement de la place pour mettre les dispensers, pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est un gros puits. Et donc, je vais me faire des escaliers puisque j'en ai plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais me prendre... voilà. Je pense que 32 c'est suffisant. Donc là vous allez rajouter encore une hauteur d'escalier. Voilà, donc vous pouvez voir que ça devient de plus en plus petit. C'est normal. Voilà. Hop. Alors je parle pas beaucoup parce que voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est juste faire le tour avec des escaliers en briques. Voilà. Et surtout je veux pas tomber pour tout remonter après. Voilà. Oui sinon c'est bien comme ceci. Et enfin voilà, on a la dernière ligne. Et voilà, parfait. Et donc là, vous voyez qu'il nous reste 4 sur 4. Donc on va remplir avec des dalles. Donc je vais me refaire encore... voilà, encore 6. Voilà, 6 dalles comme ça. Je
suis sûr d'en avoir assez. Et hop, voilà. Voilà. Donc, hop, on va poser un escalier comme ceci. Et on va rajouter encore une hauteur de dalle. Voilà. Non, pas avec la hache, ça marchera pas. La pioche, c'est mieux. Et donc, on va faire. Hop là. Tac, 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 tac. Hop, hop. Et enfin. Et voilà. Alors, on va descendre par voilà le côté où il y a la table de craft sans se faire mal. C'est fait. Et donc, voilà. Alors, je vais mettre tout au bout pour vous montrer donc le puits. Voilà. Franchement, il est très beau. Il est très beau. Et alors, je vais me mettre surtout ici, voilà, pour avoir une superbe vue. Voilà, franchement, c'est... Moi, j'adore. Voilà. Donc, on a fait le puits. Et bien sûr, pour trouver le mot-code, il faudra faire le damier. Alors, le damier, vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est juste que... alors, faut que je reprenne mon... Voilà, c'est bon. Alors, pour faire le puits, il faut que vous ayez donc des lampes de redstone et des plaques de n'importe quelle essence de bois que vous voulez. Alors, il faudrait juste que je me repère. Donc oui, c'est ici. Ça va être simple. Vous allez compter 8 blocs. En comptant celui-ci. Alors, je vais le faire par ici. Donc 8 blocs. 5, 6, 7, 8. Et au 9e, hop, vous êtes positionné. Soit la trappe, soit là. Moi, je vais faire la trappe. Et donc, on va espacer à chaque fois d'un bloc. Alors, je vais faire... voilà, donc ici, on va mettre un bloc. Donc là, j'en ai déjà deux. On n'est pas très bien centré, mais vous allez voir, ça va pas se voir. Donc là, on est déjà à deux. On va faire 6 de large. Donc 3, 4 et enfin 2. Non, pas là. Voilà, 1 et 2. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Et de l'autre côté, normalement, on devrait avoir 9. On doit avoir 9. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, parfait. Donc 9, 8 et 8 de côté. Enfin, pas de côté en longueur. Bon, on va péter ça. Alors, on a fait 6, si vous connaissez bien le damier, il y a 48 lettres, donc pour aller à 48, vous faites 48 divisé par 6, puis 8. Hop, on va péter ça. Voilà, et donc là, on va partir par là. Toujours espacer d'un bloc. Donc là, on est déjà à 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Voilà. Donc là, on a notre dimension de dalle. On va récupérer tout ça. Donc ça va être un petit peu chiant de tout récupérer. puisque je vais tout casser. Et donc, voilà. Après, si vous allez bien sûr poser vos lampes et vos plaques. Oui, c'est vos plaques. Je ne sais pas pourquoi je lui dis vos trappes. Mais c'est vos plaques. Et donc, on se retrouve juste après ceci. Parce que ça va être très, 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 très long. Ah, regardez-moi cette salle du trésor, elle est magnifique! Donc voilà, maintenant on va s'attaquer aux côtés de la grille. Donc, alors je me suis permis bien sûr de monter ça en off parce que cassant la gueule toutes les 30 secondes, c'est chiant. Donc, vous allez reprendre donc des barres de Nether et on va donc monter comme ici à 6 blocs. À 6 de hauteur, pas, ce ne sont pas des blocs encore. Donc là on a déjà 1. Alors je vais me mettre comme ceci parce que sinon je vais pas y arriver. Donc là on est déjà à 3, 4, 5, là, et enfin 6 blocs. Voilà. Et ici vous allez rajouter un bloc parce que on va mettre un escalier à l'envers. Pour faire genre que c'est coupé. Voilà. Alors, hop, on va prendre. Voilà. Je suis trop petit. Hop, et bien sûr, vous allez remplir avec des blocs de grès, ce qui est complètement logique. Voilà. Alors, hop, ça c'est censé être un pilier. Alors, maintenant, pour faire l'escalier à l'envers, alors, ouais, on va faire ça comme ceci. Non,
Je mets comme ça, voilà, et parfait. On va casser ça. Voilà. Hop là, voilà. Donc on va remplir tout ceci. Alors là, non, je vais juste me mettre là, parfait. Donc là, je vais pouvoir casser. Et donc, je vais récupérer ça et on va donc continuer. Alors non, on va pas continuer. Je vais déjà vous montrer, voilà, ce que ça donne. Donc je trouve que c'est bien fait, hein, ça coupe, on dirait que ça coupe. Et donc ici vous allez faire la même chose, donc vous allez monter de 6 blocs. Enfin de, vous allez monter jusqu'à 6. Donc là on est à 2, 3, 4. Tiens, est-ce qu'on peut... On peut pas à 3, d'accord. Bon ben on est obligé de faire 2 par 2. Hein. Donc là on est à 3. Voilà, 4, 5. Hop, 5. Voilà. Ah. Ah, j'ai plus rien. Oh non. Oh non, j'ai plus rien. Oh, bah, fais chier. Ça tombe toujours mal. Bon. On va reprendre. Donc, on était à 5. Ouais, donc on va monter. Voilà, donc on était à 5. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fini celui-ci. Hop, et on va monter de 6. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Donc ensuite, ici, on va placer un escalier à l'envers. Voilà, et on va remplir le reste par... de l'ender du nether, voilà, jusqu'ici, où là aussi on va mettre un escalier. Tac, attends, si je mets un escalier là ça va pas être beau. Non, on va déjà mettre un escalier là. Non, là c'est une très bonne question. Je vais mettre un là comme ceci, on va voir ce que ça va donner. Donc on va remplir, voilà, on va positionner là et ensuite hop, on remet de la grès, voilà, mince. Oh, c'est pas vrai ça, je vois pas mon inventaire, je suis tellement concentré que je vois pas mon inventaire. Donc hop, on va continuer ça et on se retrouve juste après. Voilà. Hop. Donc voilà, on a fini. Je vais vous montrer quand même. Voilà, hop, on va se positionner ici. Voilà. Attendez, c'est pas mieux ici. Voilà, c'est mieux là. Voilà, on a la voûte. Et donc, franchement, ça rend super bien. Je croyais que ça allait être moche, mais non. Donc, je suis de retour. Voilà. Donc, on va maintenant faire la partie de la grille. Hein, enfin, pas tout de suite, mais on va faire... on va barrer ce côté-là. Donc, on va déjà péter celui-ci. Voilà. Hop. Et on va positionner, voilà, un autre pilier. Pourquoi ? Eh bien parce que il faudrait placer quand même des torches. Et puisqu'on n'a pas assez, on n'a pas d'accès pour mettre les torches, c'est mieux faire. Voilà, deux. Je vais mettre là. Voilà. C'est mieux faire deux piliers parce que vous allez voir que ça va être encore plus beau. Donc voilà, on a déjà fait ça. Et ici, on va péter celui-ci et on va le placer à l'extérieur. Voilà, ça va être un petit peu plus beau. Alors maintenant, je vais du coup monter les barres de nether jusqu'au moment où il y aura les clés. Donc on va monter de 5 en comptant celui-ci, donc 2, 3, 4 et 5, voilà. Hop, c'est parfait. Et là, on va, vous allez reprendre des bûches écorcées en sapin. Bon, je sais pas si j'en ai.
Ouais, je vais en faire. Voilà, alors il vous en faut pas beaucoup, hein, juste... ouais, moi je vais m'en faire 8, mais vous en faut pas beaucoup, 6, je crois. Donc on va faire un petit escalier, comme ça au moins on accédera plus facilement. Voilà. Et donc ici... non, c'est mieux ça. Hop. Tac. Et... Tac, voilà, parfait. Ceci est fait. Hop. Et là, vous... Je vais péter ça parce que ça va me déranger. Voilà. Vous allez donc... Vous allez augmenter encore avec les barres du Nether tout en haut de la page jusqu'au sol de la passerelle. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais faire ça. Donc il faut monter tout en haut, mais je peux pas monter. Non, je peux pas monter puisqu'il faut que je le pète celui-ci. Voilà. Et je vais mettre un petit bloc. Non, c'est vrai que je peux pas monter, il faut que je mette un bloc. Voilà. Et donc c'est parti. Nous sommes arrivés tout en haut et voilà, vous avez vu que j'ai rajouté des blocs de grès. Parce que normalement la grille. Oula. Parce que normalement la grille ne va pas tout en haut. Et puis ça fait pas très. Ça fait pas très. Très bien en décor. Donc voilà, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça va me prendre extrêmement. Du temps, donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, je suis en train de bouffer, c'est pour eux. Hein. Donc voilà, nous j'ai enfin fini à faire les arches. Donc maintenant, on va passer directement à la grille de la salle du trésor, qui est extrêmement simple. Vous allez déjà prendre des dalles de planches de chêne noire et on va le positionner tout en haut au sixième bloc. Non, là c'est trop haut. Voilà, ici. Pour eh bien mettre les clés, voilà, pour mettre les cadres, alors voilà, hop, donc 6 de largeur, normalement ça doit être bon, voilà, parfait, et franchement ça rend bien, là par contre là-haut je sais pas comment, je vais le péter, ça va me déranger, ça va me troubler, voilà, merci beaucoup, hop, et là, vous n'allez pas mettre des cadres normaux. Vous allez mettre des cadres lumineux. Voilà, pour symboliser la victoire. Voilà, pour symboliser les clés. Et on va les mettre comme ceci. Alors, si j'y arrive. Non, pas en dessous. C'est pas grave. Hop. Moi, je peux pas le péter. Ah, si, c'est bon. J'arrive à le péter. Allez, hop. Voilà. Hop. Et voilà, 8. Donc voilà, on peut voir 8 clés. Et franchement, c'est beaucoup mieux que sur le floor parce que là, au moins, c'est droit. Donc, on a les 8 clés. Et maintenant, on va pouvoir faire la grille. Vous allez juste vous placer à l'avant. Voilà. Je vais donc monter tout ça tout en haut jusqu'à la limite, donc c'est à dire jusqu'au bloc de grès que j'ai positionné tout en haut jusqu'à la passerelle. Donc on se retrouve tout de suite, ça va être très long. Eh oui. Et on a encore une dernière ligne. Et c'est terminé. Donc on va faire un petit dropper, attention. Ah, yes. Voilà, bon, voilà, c'était simple, hein, même si je suis une grosse merde en dropper, mais voilà. Voici la grille d'assez du trésor. Bon, je sais que c'est moche comme ceci. Je vais me mettre devant le puits, mais même si c'est pas vraiment le meilleur endroit pour voir ça. Hop, voilà. Ah franchement, c'est merveilleux. On s'y croirait, hein. On s'y croirait vraiment. Voilà, on a la grille.
qui est terminé. On a fini pour la salle du trésor. Ça a été long. Je vais placer. Je vais placer quoi ici. Tac. Voilà. Oh, ici c'est bien. Ouais. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu lumineux. Et puis, il y aura moins de mobs. Hop, on va replacer les barrières. Et puis, voilà. La salle du trésor est terminée. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Ah, j'ai oublié, bien sûr, faire le proscenium. Donc, vous allez reprendre des carmins, des barrières de carmin. On va faire tout le tour. Voilà. Hop. Alors là, alors déjà j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6, donc on va faire 6, donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6, hop là, voilà, une petite diagonale, un petit arrondi, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et ben voilà, on a le proscenium qui est trop carré, Alors, je vais rajouter juste, voilà, une petite diagonale. C'est peut-être mieux. On va faire la même chose ici. Tac, tac. Voilà. Ouais, c'est bien comme ceci. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Bah oui, bah voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux, là. Ah, franchement, c'est mieux. Donc, comme ça, au moins, vous pouvez mettre, donc, la pesée. Et puis, voilà. Je pense que ça sera tout pour cet épisode. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas de mob. Il n'y a personne. Donc ça tombe bien. Alors, j'ai dit que c'était beau, mais j'ai encore oublié un truc. Vous allez donc prendre ces blocs noirs. Et on va faire un petit contour pour ne pas voir tout ça parce que ça fait pas joli joli. Donc vous allez monter jusqu'à 11 blocs de haut. Ouais, on va monter jusqu'à 11 blocs de haut et 2 lignes et 2 de largeur. Hop, voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Aïe. 6, 7, 8, 9. Non, je sais pas compter, c'est 8. 9, 10, 11, voilà. Et donc ici, bien sûr, on va remplir avec de la grès pour cacher vraiment. Hop, voilà, pour cacher la salle du trésor. Enfin, la grille. Parce que je trouve que c'est pas très beau. On voit donc toute la grille. Voilà. Et on va aller de l'autre. On va aller à l'opposé. Voilà. On va faire comme une entrée. Voilà. Comme une entrée pour rentrer dans la salle du trésor. Voilà. Voilà, c'est parfait. Hop, on va remplir là. Voilà, nickel. Aïe. Voilà. Et on a terminé. C'est enfin terminé. Et ça rend beaucoup plus beau là. C'est merveilleux. On a une entrée. On a une entrée pour la salle du trésor et au moins on peut pas voir vraiment la hauteur et la mocheté, hein, si vous en avez, si vous en avez fait, pardon. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un grand merci à vous tous et à toutes de suivre cette série de survivre le Fort Boyard. Je savais pas que ça allait autant marcher. Donc on se retrouve pour le prochain épisode et ça va être les escaliers. Merci à tous, c'était Joe Boyard.